On a souvent comparé l'intelligence de cet homme à celle d'un superordinateur. Si un jour une conscience artificielle supplante l'intelligence humaine, ce sera en grande partie le fait de John von Neumann. Si le monde connaît un nouvel équilibre à l'ère de la civilisation numérique et des réseaux intelligents, c'est en grande partie grâce à lui. Si un jour l'humanité se consume dans l'enfer nucléaire, il l'aura rendu possible. Cet homme, aux allures de dandy, élevé dans l'atmosphère décadente de l'Empire austro-hongrois, a contribué aux découvertes les plus fondamentales et abstraites au siècle dernier. Il s'est également impliqué dans leurs conséquences les plus radicales. Les théories mathématiques de von Neumann ont des noms qui nous semblent à la fois barbares et étrangement familiers. Automates cellulaires, théorie des jeux, similitude entre le cerveau et l'ordinateur, théorie de la destruction mutuelle assurée. Ces noms nous paraissent étrangement familiers car ils correspondent à des théories qui changent notre monde de plus en plus vite. Si la Terre est devenue une planète village connectée, c'est grâce au réseau, à la révolution informatique, à l'intelligence artificielle que von Neumann, plus que quiconque, aura contribué à créer. Un monde qu'il a imaginé et prédit peu de temps avant sa mort. Tout ceci est le produit d'un cerveau prodige, né sous les arcanes d'une immense bibliothèque familiale de Budapest. Car la prime enfance de John von Neumann se passe dans la capitale de la Hongrie. C'est l'époque de l'Empire austro-hongrois de François Joseph, avant la Grande Guerre de 14-18, qui va détruire une civilisation européenne, dans laquelle la culture juive avait joué un très grand rôle. Notamment dans la science, l'art moderne, la philosophie, qui deviennent des facteurs d'universalisme dans cet empire tiraillé par les nationalismes des peuples qui le composent. Les Habsbourg, quintessence de cette civilisation européenne, sauront utiliser les talents de la communauté juive qui vit dans cette tour de Babel aux 50 langues. Les grandes familles juives les plus utiles à l'Empire seront invitées à s'intégrer pour éviter un antisémitisme latent dans toute la société, se convertir au catholicisme ou acheter un titre de noblesse. Il en a été ainsi de la famille von Neumann. Marina est la fille de John von Neumann, économiste réputée à l'université de Ann Arbor, Michigan, aux États-Unis. Elle a été la conseillère de Richard Nixon à la Maison-Blanche. Elle évoque les racines familiales de John von Neumann et de son père, Max. Eh bien, il était originaire de ce que nous pourrions appeler la haute bourgeoisie de Budapest, avec un arrière-plan culturel juif, mais pas particulièrement pratiquant au sens religieux. Son père était banquier. La raison de son nom, le von, c'est que le von est un titre. D'après ce que j'ai su, ce titre avait été donné à son père par l'empereur François Joseph pendant la Première Guerre mondiale, en récompense, sans doute, de son aide dans le financement de la participation hongroise à l'effort de guerre. Neumann Janos, de son prénom hongrois, naît le 28 décembre 1903. Il sera l'aîné d'une fratrie. Hyperactif,
Dès l'âge de 2 ou 3 ans, il ne cesse d'explorer l'espace et se jette sur les livres, les jeux, démonte les mécanismes de la maison comme les systèmes de monte-charge, les téléphones. Max et sa femme croient se retrouver devant le cerveau d'un adulte hors norme. Pour le calmer, on lui apprend à lire vers 2 ans. À 6 ans, John converse en grec ancien avec son père, Max. À 8 ans, il a lu l'essentiel de la bibliothèque et mémorise les 44 volumes de l'histoire universelle qu'il connaît par cœur. Un petit garçon se met à dessiner des symboles mathématiques devant ses cousines lors des grands déjeuners familiaux servis par des domestiques. Vérification faite par les parents de Janos, il ne s'agit pas de figures triviales, mais de manipulations de suites numériques, d'idées sur les convergences de sommes, de concepts qui utilisent les infinis et les limites. Jusqu'à sa mort en 1957, John von Neumann ne s'arrêtera jamais de tracer les signes de la langue de l'univers. Edward Teller. Il est l'un du groupe des 4 scientifiques hongrois dont faisait partie John von Neumann, qui ont émigré aux États-Unis et qui ont révolutionné la physique américaine. Many people have wondered how Johnny von Neumann could think so fast and so effectively. How he could find so many original solutions in areas where most people did not even notice the problems. I think I know a part of the answer, perhaps an important part. Johnny von Neumann enjoyed thinking. À l'époque de von Neumann enfant, l'intelligence artificielle et les ordinateurs n'existent pas. Marvin Minsky est l'un des héritiers spirituels de John von Neumann. Avec d'autres, il a fondé le département d'intelligence artificielle du mythique MIT, le Massachusetts Institute of Technology. John von Neumann fut président de son jury de thèse quand il était étudiant. Un von Neumann vaut 100 personnes normales. Un penseur ultra rapide. Très intéressant de parler avec lui, parce qu'il suffisait de dire quelque chose une seule fois pour qu'il la comprenne. La guerre de 14 éclate dans une Europe encore dans le tourbillon des années folles. Le jeune garçon ne put s'empêcher, sous le regard de son père, de modéliser les lignes de front, s'intéresser aux armes, notamment aux trajectoires des projectiles comme ceux tirés pendant la Grande Guerre. Un goût qui ne se démentira jamais. Von Neumann aimera toujours les objets dont les comportements se prêtent à des calculs qui le stimulent, que ce soit avec des canons, des bombes ou des ordinateurs. À partir de 1914, Max envoie son fils au célèbre lycée luthérien de Budapest. Il n'y rencontrera pas seulement Edward Teller, mais aussi Léo Szilard et le jeune Eugène Paul Wigner. Tous les 4 travailleront sur la bombe atomique. À la fin de la Grande Guerre, le traité de Versailles disloque les grands empires russes, austro-hongrois, turcs et allemands. En mars 1919, la Hongrie fait une révolution bolchévique, avec des commissaires politiques en majorité juifs qui dirigent le pays. Mais le nouveau régime veut la perte de Max von Neumann, car bien qu'il soit juif, il reste un banquier. Ils doivent se terrer dans leur grande maison de vacances, non loin de Venise. Max, le père, sauve sa peau. Mais il pense à une réaction antisémite tout aussi dangereuse en cas de chute du communisme. C'est ce qui se produit 3 mois après. À la Terreur rouge va succéder la Terreur blanche, dirigée par une aristocratie militaire traditionnaliste.
l'antisémitisme gagne le pays, surtout dans les universités de sciences humaines et les académies militaires. Le fils aîné de Max, John, sera donc, comme beaucoup de juifs, un scientifique, un médecin, un avocat ou un banquier. Un mathématicien ne gagne pas d'argent, explique Max à son fils dévoré par la passion des mathématiques. Il voudrait qu'il soit chimiste, car la guerre de 14 utilisait leur talent. Alors que la Deuxième Guerre mondiale sera celle des physiciens. C'est donc à 16 ans que von Neumann s'inscrit à l'université de Budapest en mathématiques et parallèlement à l'université de Berlin en chimie, où il va vivre 2 ans. À Berlin, Janos devient Johann pour ses pairs. Les mathématiques l'intéressent beaucoup plus que la chimie. À Berlin, on discute philosophie et mathématiques jusque dans les cafés et on y écrit des équations sur les tables. Von Neumann, à 20 ans, participe sans complexe à la refonte de toutes les mathématiques. Imaginons que toutes les fenêtres de cet immeuble soient contenues dans une seule de ces fenêtres. Logiquement, cela paraît impossible. Pourtant, c'est le genre de paradoxe que le logicien britannique Bertrand Russell a trouvé caché dans les bases mêmes des mathématiques. Tout l'édifice mathématique était fragilisé. Alors von Neumann le restaure en définissant de nouvelles règles de construction des bases mathématiques. Pour John von Neumann, la réalité du monde est un prétexte pour faire des mathématiques, faire des jeux de constructions intellectuelles, résoudre des problèmes. Mais résoudre quasi instantanément des problèmes, est-ce forcément comprendre leur signification? L'un des plus grands mathématiciens et physiciens d'aujourd'hui, Sir Roger Penrose, répond à cette question. Laissez-moi vous donner un exemple de quelque chose que je crois utile ici. Un de mes amis, pur mathématicien et homme merveilleux, et très bon mathématicien, Robert, il disait, il y a 2 sortes de mathématiciens. Les mathématiciens malins et les mathématiciens idiots. Un mathématicien idiot est quelqu'un du genre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et vraiment, l'idiot est bon en mathématiques, à un niveau profond, mais pas rapide. Von Neumann était le mathématicien malin par excellence, parfaitement malin. Il résolvait toutes sortes de problèmes instantanément, plus vite que n'importe qui d'autre, et trouvait la solution. Mais peut-être que quand il se mettait à comprendre à un niveau plus profond, il n'était pas aussi bon qu'un mathématicien idiot, si vous voulez, avec des manières de comprendre peut-être pas aussi rapides que von Neumann. Parce que von Neumann était incroyablement bon. Il est original, il a opéré dans énormément de domaines mathématiques. Brillant mathématicien, mais mathématicien malin. En 1923, John von Neumann quitte Berlin et va à Zurich où il passe comme une formalité son concours d'entrée en chimie dans l'école polytechnique la plus difficile du monde. Plusieurs années avant, Einstein y fut recalé et dut rentrer comme employé au bureau des brevets de Berne. En 1926, von Neumann obtiendra tous ses diplômes, chimie et doctorat de mathématiques. Il part dans la capitale mondiale des mathématiques, Göttingen, en Allemagne, avec l'aide de l'une des fondations Rockefeller. Kurt Gödel, logicien, mathématicien plus jeune que von Neumann, était en train d'y faire une découverte mathématique majeure. Des règles incertaines peuvent exister dans les mathématiques. On ne peut pas savoir si elles sont vraies ou fausses. Il faut leur faire confiance. Si ces règles sont des choses auxquelles vous croyez, si vous avez cette intuition et que vous suivez ces règles, toutes les choses que vous obtenez devraient être vraies. Et alors, vous pouvez aller au-delà des règles. Pour décrire la complexité de l'univers, il faut donc croire aux mathématiques. Von Neumann va les tester sur les lois de l'infiniment petit. Les équations de l'infiniment petit utilisent le hasard. C'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Elle décrit aussi bien les forces dans l'atome que la naissance de l'univers primordial.
Von Neumann trouve que cette physique de l'infiniment petit n'est pas rigoureuse. Les physiciens, dont Einstein, sont divisés sur cette question. Deux d'entre eux, Schrödinger et Heisenberg, s'affrontent avec leurs équations. Ils sont en désaccord sur le rôle du hasard. Ils n'ont pas la même vision de l'infiniment petit. Von Neumann découvre que, mathématiquement parlant, en fait, ils disent la même chose. Alors, il commence à écrire en 1926 ce qui sera les fondements mathématiques de la mécanique quantique. Mais ce que recouvrent vraiment les lois de la physique ne l'intéresse pas tellement. Il a écrit ce livre clé et très important sur la mécanique quantique. Il a pris toutes ces choses et il a construit une structure avec ces deux approches, en essayant de comprendre comment elles pouvaient fonctionner ensemble. Mais ce n'était pas le genre de personne à se poser la question de la nécessité d'aller au-delà de la mécanique quantique. Je pense que c'était l'une de ses limites, mais il est mort très jeune, et bien évidemment, il était incontournable dans beaucoup de domaines des mathématiques. Et clairement, un mathématicien incroyable. Aucun doute là-dessus. En 1927, von Neumann retourne à l'université de Berlin pour suivre son travail sur la mécanique quantique. Il devient à 25 ans le plus jeune private Dozent du monde, un titre que l'on décerne juste avant l'obtention d'une chaire. Il ira en Hollande, en Angleterre et pour la première fois aux États-Unis en 1930. Considéré comme une star, culte dans la communauté des mathématiques en Europe, il acquiert la réputation de saisir instantanément une idée d'un étudiant et de la transposer mathématiquement quelques heures après sous une forme limpide. Von Neumann sent les idées porteuses. Il ne les découvre pas, mais il les comprend et encourage les gens à les développer et à en produire de meilleures. En Allemagne et en Autriche, à l'orée des années 30, le mythe de la science juive commence à se développer. Des universitaires pensent très sérieusement à mettre en place des quotas. Bientôt, des départements de physique et de mathématiques seront décimés. Aux États-Unis, depuis le début du siècle, on s'inquiète du retard de l'Amérique en mathématiques. Des universitaires et des hommes politiques, comme le futur président Wilson, aux commandes de l'université de Princeton, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme au début du siècle. Avec une Europe qui devient de plus en plus instable, on va mettre les bouchées doubles. Des fondations américaines se mettent à se rendre en Europe pour proposer le grand voyage, au meilleur des mathématiciens et des physiciens. John von Neumann, qui ne trouve pas de chaire en Allemagne, accepte donc un poste à l'université de Princeton et partage son temps entre l'Amérique et Berlin, où il est toujours chargé de cours. Son contact avec la physique européenne lui a donné le goût de mathématiser le réel. C'est pourquoi, à Princeton, il peaufine avec le professeur Almos sa théorie des anneaux d'opérateurs. Toute la complexité du monde devient calculable au moyen de tableaux de 0 et de 1 qui la codent. Ce sera un outil d'une puissance phénoménale qui annonce la révolution numérique. Il y a un aspect tragique dans le destin de von Neumann. Pourquoi n'est-il pas aussi célèbre qu'Einstein? Le prix à payer d'un cerveau trop rapide, trop touche-à-tout? Il laisse à d'autres le soin de développer les idées qu'il produit. Les travaux de von Neumann aux États-Unis entre 1930 et 1933 annoncent les mathématiques du futur, celles du XXIe siècle, souvent basées sur la science du calcul. Ce sont les mathématiques qui concernent les systèmes dynamiques complexes comme les turbulences et les géométries du chaos, les flux, la dynamique des réseaux. Elles portent les noms d'anneaux d'opérateurs, de théorèmes ergodiques d'analyse spectrale, de physique statistique. Le hasard simulé y tient une large place. Jonathan Kellner, lui aussi, travaille au MIT. C'est un spécialiste des algorithmes basés sur le hasard. Les algorithmes sont des programmes de calcul.
Von Neumann est l'une des premières personnes qui a étudié le pseudo-hasard et qui a fait en sorte qu'il devienne une discipline à part entière. Alors, si je veux essayer de comprendre un phénomène où je veux simuler du hasard, il s'avère que c'est très difficile de simuler un vrai bon hasard. Si j'envoie une pièce en l'air, ce n'est pas vraiment du hasard. Il y a un côté qui a touché mon doigt, ça va tourner 17 fois en l'air, et ça va atterrir d'un côté ou l'autre. Si j'essaye vraiment, j'arrive à le simuler. Et von Neumann a été l'un des premiers à le faire en générant des suites de nombres qui ne sont pas du hasard, mais ressemblant suffisamment à du hasard pour les calculs que nous voulions. Par exemple, il prend l'heure et la date de l'année, qu'il multiplie par quelques nombres, ne gardant que les nombres formés des quatre derniers chiffres. Il aura été le premier à étudier comment faire cela, comment utiliser l'aléatoire, comment faire en sorte que certains algorithmes basés sur du hasard tournent beaucoup plus vite en pratique. Or, ces algorithmes aléatoires, ces procédures de calcul, qui découlent des découvertes mathématiques de von Neumann de cette époque, par leur puissance, ont permis aujourd'hui des choses aussi réjouissantes que le trading haute fréquence, ou de concevoir des produits dérivés financiers. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier. John von Neumann démissionne de tous ses postes universitaires et honorifiques en Allemagne. À partir de ce moment, von Neumann fera tout pour éradiquer les nazis. Il se souvient de l'antisémitisme insidieux de la Hongrie de son enfance. Quand Hitler accède au pouvoir, von Neumann se trouve à Princeton. À côté de l'université se construit ce qui deviendra le célèbre Institut d'études avancées de Princeton. Dans l'esprit des promoteurs, l'Institut devait être une sorte de temple de la science où des débats fondamentaux surgiraient, issus de cerveaux venus de tous les continents, à l'abri des tumultes du monde. Dans le département sciences de la nature, von Neumann sera engagé avec Einstein, Gödel et des mathématiciens américains. Entre-temps, après la mort de Max en 1929, John von Neumann s'est marié avec Mariette Kövesi, une amie d'enfance de Budapest, la mère de Marina. Il lui a fait sa demande en lui disant qu'ils aimaient tous les deux boire et qu'ils allaient bien s'amuser. Le couple découvre la vie dans une ville américaine de province, qui ne correspond pas vraiment à l'univers raffiné de la vieille Europe. Quelque chose manque à von Neumann. C'est l'atmosphère de conversation fiévreuse entre scientifiques que l'on trouvait à Budapest, Berlin et Göttingen, autour des cafés, et dont les tables en marbre servaient de tableaux pour écrire des équations. Alors, il va donner des réceptions, chez lui. The von Neumann House was a gathering place for them in a round of memorable parties. Hermann Pfeil and his wife, Niels Bohr, Marston and Louise Morse, von Bargmann, Artin and his wife Natasha, Oswald Veblen, James Alexander, Bertrand Russell, Harry Smythe, Arthur Kestler, and Oscar Morgenstern, who remembers. There was one evening party where Einstein appeared. It was the only time I've ever seen Einstein wear a tuxedo, but he didn't wear socks even then. The parties at Johnny's house were a mixture of instant scientific discussion and then complete irrelevance. You went there with a light feeling every time because there was a spirit of freedom in that house, and it was really wonderful. Whenever Johnny saw a funny hat, he'd put them on. He loved to be looked at, and he would show off to the ladies. He had one with a little contraption that made a noise when you. What I observed. Je me suis aperçu avec le temps qu'il avait cette surface tout en bonhomie. Bonhomie, you know. Il était très charmant et très drôle. Il aimait les bonnes fêtes, les boissons fortes, les blagues salaces. Mais sous cette surface, il avait une vision profondément cynique et pessimiste du monde. Et c'était difficile de le suivre quand il basculait de l'une à l'autre, parce qu'il y avait ces deux côtés, disons,
ces deux couches au sein de sa personnalité. Peu à peu, von Neumann se met à aimer la culture américaine et son optimisme. Le côté matérialiste qui aurait pu le temps de ses amis le rassure contre ce qu'il appelle l'émotion passionnée des Européens, qu'il juge très dangereuse. Ses nouvelles relations aux États-Unis l'appellent tous Johnny. Les von Neumann et les Einstein dînent à New York tous les quatre en 1935. Le côté show-off du grand physicien, qui préféra aller honorer un concert comme invité d'honneur avec la femme de von Neumann plutôt que de continuer la soirée à quatre, devait agacer le Hongrois. Au moins autant que ses engagements politiques qu'il trouvait trop émotionnels. Il pensait Einstein beaucoup trop tolérant avec les communistes, de par son pacifisme et ses opinions de gauche. En outre, von Neumann s'intéressant peu à la cosmologie et à la signification des lois de la physique, et Einstein n'aimant pas à ce point les mathématiques, leur connivence était faible. Les capacités de calcul de John von Neumann n'ont pas échappé aux états-majors des deux futurs alliés, l'Angleterre et les États-Unis. Il prend plaisir à être consultant pour les armées britanniques et américaines qui se préparent à la guerre. Calculer les trajectoires de projectiles les plus précises possibles est un effroyable casse-tête, car la densité de l'air change et modifie celle-ci. Von Neumann utilise avec délice ces nouvelles mathématiques qui font merveille. Mais entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale éclate et l'Amérique se lance dans le projet de la bombe atomique, le projet Manhattan. La bombe atomique est une vieille idée, développée en 1933 en Europe avec le physicien italien Enrico Fermi. Léo Szilard, l'un des quatre Hongrois, avait eu une intuition incroyable en se promenant. Il y a dans la nature des atomes instables qui se désintègrent avec une forte émission d'énergie, des atomes radioactifs qui eux-mêmes feront se désintégrer d'autres atomes radioactifs. Pourquoi ne pas faire de cette réaction en chaîne l'arme absolue? Mais il faudra la canaliser. Les nazis comprennent très vite l'idée, mais pas Hitler, qui pense que c'est bien une idée de savant juif. Les Américains mettent les moyens et font venir l'élite des physiciens européens et américains pour les enfermer dans le désert du Nouveau-Mexique en 1943. Von Neumann, qui vit toujours à Princeton, est engagé comme consultant. Oppenheimer, qui dirige le centre de Los Alamos, Richard Feynman, Edward Teller, Eugène Paul Wigner, enfin tous les grands physiciens, écoutent donc le gourou, le grand stratège des calculs, John von Neumann. Sans calcul, pas de simulation numérique, et impossible de trouver la convergence de la réaction en chaîne qui doit aboutir au champignon. John von Neumann va participer au premier test nucléaire. Von Neumann s'intéresse à la compression du noyau en plutonium nécessaire à la fission, concernant Fatman, le nom de la bombe lâchée sur Nagasaki. Il participe au comité des cibles. Von Neumann avait choisi Kyoto, mais le secrétaire à la guerre Henry Stimson avait été ébloui par la culture de la ville et y ayant passé sa lune de miel. Selon lui, raser Kyoto empêcherait toute réconciliation future. Le président Truman retiendra d'autres cibles, dont Nagasaki. Von Neumann découvre que les effets dévastateurs sont incommensurables si la bombe explose en altitude. C'est lui qui calculera la hauteur optimale. Les 6 et 9 août 1945, les largages se sont produits selon un mode opérationnel défini par les calculs de von Neumann. J'ignorais tout à propos de choses comme le Manhattan Project. D'ailleurs, personne ne savait. Le gouvernement faisait un très bon travail pour le garder secret. Je voyais bien que mon père allait souvent en voyage et que cela avait un rapport avec l'effort de guerre. C'est tout ce que je savais. Alors, est-ce que cela me pose un problème? Je ne sais pas. Une fois la guerre terminée, enfin je veux dire la bombe larguée sur Hiroshima et Nagasaki, j'ai graduellement commencé à comprendre une bonne partie de ce qu'il avait fait.
Mais quand le projet était en cours, je n'en savais pas plus que n'importe quel autre Américain. Très jeune, von Neumann avait été fasciné par un théorème de mathématiques expliquant entre autres que dans une tasse de café remuée, une quantité infinitésimale de liquide doit retrouver obligatoirement au moins une fois sa position initiale. Ce point fixe est le pivot d'un équilibre, une forme de coopération. Le système formé par deux joueurs dans le tourbillon de la partie se stabilise pour minimiser les risques de chacun tout en préservant le maximum de gains. Von Neumann généralise cette idée dans le champ économique. Ce sera à la théorie des jeux qu'il étend à tous les domaines de l'activité humaine à partir de 1944, des activités comme les marchés financiers. Mais cela peut être une partie de ping-pong, une compétition pour l'accès à l'eau, une coopération entre prisonniers soumis à des interrogatoires séparés. La théorie des jeux fournit des probabilités sur le degré de coopération future entre plusieurs joueurs. Constantin Daskalakis, mathématicien au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, travaille sur la théorie des jeux. Le but de la théorie des jeux, c'est de modéliser mathématiquement une interaction entre individus, peut-être deux, peut-être plus. C'est-à-dire de fournir un modèle, mais aussi une prédiction de ce qui va se passer dans l'interaction. Cette interaction peut être une partie, un jeu dans le sens propre du terme, mais ça peut aussi être une interaction économique ou sociale, ou encore un conflit militaire. Ça peut être la guerre froide, les États-Unis contre la Russie. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule. La guerre froide commence entre l'Occident et l'Union soviétique. La théorie des jeux de John von Neumann fournira des probabilités sur la plus ou moins grande envie de coopérer des deux blocs et des stratégies pour y arriver. Robert Aumann, professeur au Centre d'études de la rationalité à l'Université de Jérusalem, mathématicien, a eu le prix Nobel d'économie en 2005. Il applique la théorie des jeux à l'analyse des conflits et notamment à la guerre froide. À cette époque, c'était le point culminant de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et il y avait des tentatives de ces deux pays de réduire le nombre de leurs armes atomiques. Mais le problème, c'était que personne ne connaissait la quantité d'armes nucléaires que l'autre partie possédait. Bien qu'on puisse en principe contrôler la destruction d'armes atomiques, la question principale n'est pas combien on en détruit. La question principale, c'est combien il en reste. Vous saisissez? Une série de négociations avait lieu à Genève. Et l'Agence américaine pour le contrôle des armes et du désarmement s'est alors tournée vers une entreprise de conseil en mathématiques pour lui demander de quelle façon la théorie des jeux peut nous aider à conduire ces négociations. Peut-elle nous aider? Et de quelle façon peut-elle nous aider? 1945, c'est Hiroshima et Nagasaki. En 2005, je reçois mon prix Nobel. Et pas une seule fois, dans ces 60 ans, pas une seule fois, l'arme nucléaire n'a été utilisée d'une façon hostile. On pourrait penser, le chemin vers la paix est le désarmement. Non, c'est l'inverse. Le chemin vers la paix, c'est que pendant, disons, 40 ans, entre 1948 et 1988 ou 1989, c'est que pendant 40 ans, il y avait des avions dans les airs, armés de têtes nucléaires, 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans les airs, tout le temps. Les armes nucléaires, c'est ça qui a apporté la paix. C'est ça la théorie des jeux. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Von Neumann conseillera au président Truman une frappe nucléaire préventive contre la Russie, au nom de la théorie des jeux.
le concept d'équilibre de la destruction mutuelle assurée en découle. Une référence intéressante du cinéma concernant von Neumann est le film de Kubrick, Docteur Folamour. C'est la scène dans la salle de commandement stratégique. Et Docteur Folamour, si vous regardez le film, développe le raisonnement de la théorie des jeux et explique justement ce qu'est une bonne stratégie. Deterrence is the art of producing in the mind of the enemy the fear to attack. Si je sais que si j'attaque, tu vas me contre-attaquer et me détruire, cela va m'empêcher de t'attaquer. Donc le dispositif de destruction totale développé dans le film, ça veut exactement dire ça. Si j'ai un dispositif de destruction totale en place, et si tu sais que je sais que si j'attaque, tu vas contre-attaquer, et qu'il n'y aura plus moyen d'arrêter l'engrenage, ça va m'empêcher de vouloir t'attaquer. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que Dr. Folamour dit que ce principe est parfaitement cohérent. C'est possible de mettre cette stratégie en œuvre, mais bon sang, pourquoi la garder secrète? Ça annule l'efficacité de posséder un dispositif de destruction totale. Le dispositif de destruction totale doit donc être transparent. Si je le garde secret, ça n'a plus aucun sens. Mon père avait une vision très radicale de l'Union soviétique. Il avait fait cette remarque célèbre. Frappons-les avec la bombe atomique avant qu'ils en aient une aussi. Et il aurait eu ce dialogue, mais moi je ne l'ai jamais entendu. Si on me dit « bombardons-les demain », je réponds « pourquoi pas aujourd'hui ?» Et si vous me dites « à 5 heures », alors je réponds « et pourquoi pas à 4 heures ?» Mais je suis certaine que ces opinions radicales sur ces questions ont quelque chose à voir avec ces souvenirs de la terreur communiste en Hongrie en 1919. Il faut aussi garder à l'esprit le contexte. C'était juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est dans ce contexte que mon père a évoqué une guerre préventive. Il était convaincu qu'il y avait une grande probabilité que l'humanité puisse s'éliminer. Avant 1980, il n'avait tout simplement pas confiance dans les capacités de l'humanité à contrôler tous les instruments qu'il avait créés. Il avait une vision très pessimiste sur la nature humaine. Freeman Dyson est une légende vivante de la physique et des mathématiques. Il continue de réfléchir dans cet institut d'études avancées de Princeton, où von Neumann passa tant d'années. Ils se sont souvent croisés. Dyson, à la différence de von Neumann, se pose la question de l'utilité des armes nucléaires et des bombardements préventifs en général. Oui, alors, je pense que nous étions plus ou moins dans des points de vue opposés. Mais je comprenais qu'il était hongrois et cela faisait une grande différence. Pour lui, la Russie était la menace principale. Il avait donc combattu les Russes toute sa vie. Je peux comprendre cela. Je pense que nous avons une grande responsabilité. Et la grande question est, quelles raisons avons-nous d'avoir des armes nucléaires? C'est une grande cause pour moi. J'ai essayé de lutter contre les armes nucléaires sans trop de succès. Parfois, avec un peu de succès quand même. En 1945, von Neumann avait, presque par hasard, rédigé trois pages qui allaient changer l'humanité à jamais. Le principe de l'architecture von Neumann. C'est celle de la totalité des ordinateurs d'aujourd'hui, une mémoire, un système central de calcul, une unité d'assemblage des données. Trois pages de recommandations pour la construction d'ordinateurs dont l'armée avait besoin. Le grand mathématicien anglais Alan Turing avait prouvé
que toute la réalité du monde, y compris l'univers et ses lois, pouvait se décrire, se coder sous forme de 0 et de 1, imprimé sur un simple ruban de papier. Cette idée de codage de l'essence même du monde à travers une machine virtuelle avait fasciné von Neumann. Avi Whitgerson est un mathématicien, chercheur en sciences du calcul, actuellement au Centre d'études avancées de Princeton, là où se trouve Freeman Dyson. Mathématiquement parlant, il semblerait que tous les ordinateurs d'aujourd'hui soient construits avec les mêmes unités logiques, quelle que soit leur technique d'assemblage. L'idée initiale, c'est toujours le papier de Turing, qui était le premier modèle théorique d'un ordinateur. La machine de Turing est un concept de calcul très minimal et pas adapté pour être concrétisé ou utilisé. L'apport de von Neumann, c'est la conception d'une structure qui opère à un tout autre niveau, un ordinateur adapté aux besoins généraux. Cet apport, on l'appelle encore aujourd'hui l'architecture von Neumann. Von Neumann, qui continuait de travailler sur la bombe H à Los Alamos, avait participé à l'amélioration des premiers calculateurs électroniques pendant la guerre. L'ENIAC, construit par l'armée américaine pour calculer des tables de tir de projectiles, n'était pas tout à fait un ordinateur, même s'il possédait une mémoire et qu'on pouvait le reprogrammer en branchant ou débranchant des fiches. Les purs calculs, eux, se faisaient avec 18 000 tubes sous vide qui servaient de porte logique. Une lampe radio, une main humaine ou encore une carte perforée laisse ou ne laisse pas passer une information en fonction d'une autre information. C'est la base du calcul. D'ailleurs, on appelait ces femmes les computeurs. Von Neumann voulait améliorer l'ENIAC pour la mise au point de la bombe H. En parlant avec Prosper Eckhart, son concepteur, ils ont cette idée géniale. Simuler électroniquement dans la même machine, non seulement les calculs, mais aussi la programmation. Plus de main humaine, juste la machine qui calcule et change d'état selon un langage qu'elle comprend. L'informatique était née. Von Neumann veut construire l'ordinateur le plus puissant et le plus fiable possible. En 1946, il réussit à convaincre le conseil d'administration de l'Institut d'études avancées de Princeton sur un projet qui sent le soufre. Un calculateur inspiré de l'ENIAC, le MANIAC, sigle choisi par lui, conçu au départ pour les tests de la bombe H. Il a posé une question pratique. Peut-on créer un ordinateur fiable ou un processus de calcul fiable basé sur des composants non fiables? Vous avez ces éléments de base, ces tubes sous vide, ce qu'on appelle le hardware, les objets physiques. Ils vont être les portes logiques qui permettent le calcul. Vous les achetez à l'usine, mais imaginons qu'un composant sur 100 soit défectueux. Vous ne savez pas lequel. Ce que von Neumann a découvert avec une vraie approche d'ingénieur, c'est qu'on peut programmer, faire un ordinateur aussi puissant qu'on veut, en assemblant des éléments non fiables. Vous pouvez les assembler à condition que le pourcentage des composants non fiables reste faible, 2 éléments sur 100, ou par exemple 1 sur 20. Voilà son principe. Trouver un processus de calcul qui laisse les erreurs s'accumuler un peu, mais pas trop, et faire en sorte qu'elles se réduisent. Elles vont s'accumuler et s'éliminer à nouveau. Il va donc construire le MANIAC avec des lampes à bas prix trouvées dans le commerce. Des ingénieurs et des électroniciens viennent bousculer le paradis des puristes. Gödel et Einstein, entre autres, voient d'un très mauvais œil l'irruption de la physique appliquée, avec des ingénieurs qui ont les mains dans le cambouis. Il y avait beaucoup d'opposants au projet ici. C'était un problème d'ordre culturel. Moi, j'aimais bien les gens impliqués dans sa machine. Il y avait des ingénieurs et pas mal de gens ne les aimaient pas. Ils n'étaient pas bien vus ici. Les ingénieurs avaient trop d'argent, voilà encore une raison. Pourquoi les gens ne les aimaient pas? Parce qu'ils avaient plus d'argent. Tout se passe dans un pavillon dédié, à côté de celui où se trouvent Einstein, Gödel et les autres.
Well, these things would have fascinated Johnny. He used to love toys. When he worked on the on his automata theory at the beginnings, he started since he had to make three-dimensional objects. Hermann Goldstein était un ingénieur en mécanique dans les années 40, ancêtre de ce que seront les futurs informaticiens. In 1946, Johnny asked me if I would join him at the end of the war in Princeton and help him to carry out in concrete form the ideas which he had been working on in 1944 and 1945. Of course, I jumped at the chance. We rushed to Princeton and got started. Von Neumann prend beaucoup de plaisir à la construction du Maniac. Dès qu'il arrive à inspecter l'évolution de l'assemblage des lampes, son armée d'ingénieurs et d'informaticiens s'électrise. C'est que John von Neumann a une idée révolutionnaire. Dominer le monde, non plus par l'énergie, mais par le pur traitement de l'information. Il veut construire une autre arme absolue pour les États-Unis. Être la seule puissance capable de prédire le climat, en maillant toute la surface de la Terre d'ordinateurs comme le Maniac. L'ordinateur ici était surtout utilisé pour les prévisions météo. Et pour moi, c'était la chose la plus excitante. Je parlais beaucoup avec les météorologistes. Il avait conscience que n'importe quel pays qui pourrait contrôler le climat serait en possession d'une arme bien plus efficace que la bombe atomique. Et je pense qu'il a été déçu par le peu de progrès fait sur les prévisions à long terme du climat. Les prévisions à court terme se sont beaucoup améliorées, mais pas les prévisions à long terme. Il y avait cette idée de fertiliser les nuages. Si vous comprenez bien le climat, vous pouvez, en faisant un petit changement ici, provoquer un énorme changement à un autre endroit. L'ordinateur Maniac se met vraiment à fonctionner en 1952. Mais entre-temps, l'architecture von Neumann s'est répandue partout. Le Maniac sera vite dépassé. Les compagnies comme IBM, qui avaient travaillé sur l'ENIAC, dont von Neumann est le consultant, produisent industriellement les ordinateurs basés sur son architecture qui vont envahir la planète. John von Neumann comprend l'un des premiers que l'humanité est arrivée à un point crucial de son histoire. L'homme, en créant la civilisation du calcul, a mis en place un processus sans retour qui va s'accélérer et nous faire dépendre de plus en plus des algorithmes et des ordinateurs. Ray Kurzweil est l'un des piliers du département recherche et développement de Google. Il se revendique comme un héritier de John von Neumann. Ray Kurzweil a conçu les premiers logiciels de reconnaissance de langage naturel et écrit un best-seller, La Singularité, directement inspiré de la prophétie de von Neumann. John von Neumann a été le premier à parler de la singularité. Il a dit que le progrès technologique s'accélérait et donnait l'impression qu'on allait s'approcher d'une singularité unique dans l'histoire humaine. C'est une métaphore. Et il a vu cette accélération agir de manière continue. La langue parlée a pris 100 000 années pour s'imposer, la langue écrite mettra 10 000 années, la presse écrite prendra 400 années pour être adoptée, le téléphone a été accepté en 50 ans, le téléphone portable en 7 ans. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les wikiblogs deviennent incontournables en 2 ou 3 ans. Donc, même en 1955, John von Neumann a vu cette accélération constante. Il a donc calculé que peut-être d'ici 100 ans, car ça va si vite, il y aurait une singularité. Il a été le tout premier à utiliser cette expression. L'intelligence artificielle, si on la regarde aujourd'hui, ne se retrouve pas seulement dans quelques laboratoires secrets du gouvernement. Elle est entre les mains de tous, dans les milliards de smartphones. Un gamin en Afrique a accès à plus d'intelligence, a accès à plus de savoir que le président des États-Unis ou de la France il y a 15 ans. Grâce à tous ces outils, nous devenons tous plus smart, plus intelligents. «
La civilisation du XXIe siècle est donc celle du calcul et de son accélération. Elle repose en grande partie sur une interrogation de von Neumann. Pourquoi ne pas imaginer des calculs, des codes, qui se reproduiraient et qui évolueraient un peu comme des êtres vivants? C'est par exemple l'idée des réseaux dans lesquels l'humanité s'est retrouvée connectée. Von Neumann les appelle automates cellulaires. L'une de ses contributions les plus importantes et les plus belles, c'est la compréhension des automates cellulaires. Une colonie de fourmis est un très bon exemple d'automate cellulaire. Les fourmis bougent, mais vous pouvez considérer ces mouvements comme des changements d'état d'une cellule à l'autre. Si vous considérez qu'un automate cellulaire est un exemple de calcul universel au sens d'une Turing-machine, vous ne devriez pas être surpris des constructions époustouflantes réalisées par une colonie de fourmis. Si vous voulez faire une machine capable de se reproduire, la méthode la plus simple serait de faire une sorte d'empreinte et de la copier. Von Neumann a défendu l'idée d'un système génétique en trois dimensions capable d'évoluer et non pas une série de symboles simplement alignés. Et après quelque temps, j'étais convaincu que son idée était la meilleure. Au début, j'ai pensé que l'idée la plus simple, la mienne, était la meilleure. Mais lui, il n'aimait pas les solutions les plus simples. Peu avant la fin de sa vie, Johnny von Neumann deviendra de plus en plus fasciné par les rapports entre le cerveau et l'ordinateur. C'est le titre d'un ouvrage prophétique qu'il écrit peu avant son décès, sur les mécanismes de la pensée. Le cerveau comme l'ordinateur sont pour lui fondamentalement des machines à calculer, des systèmes de traitement de l'information. Pour Roger Penrose, le cerveau n'est pas une machine et va au-delà des pures règles formelles, dont Kurt Gödel avait montré qu'elles pouvaient être incertaines. J'ai lu son livre sur le cerveau et l'ordinateur il y a bien longtemps. Je l'ai trouvé intéressant parce qu'il développait ses analogies entre le cerveau et l'ordinateur. Je n'étais pas d'accord avec lui. Et le plus curieux est que la raison de mon désaccord avait quelque chose à voir avec le théorème de Gödel. Ironiquement, von Neumann a été la première personne à comprendre ce de quoi Gödel parlait. J'ai trouvé un peu surprenant que personne ne mentionne cela. Aussi loin que je puisse me souvenir, dans cette analyse des analogies entre ordinateur et cerveau. Parce que pour moi, c'est le point crucial, la différence entre comprendre des règles ou suivre ces règles. Suivre les règles, l'ordinateur peut le faire très bien et beaucoup mieux que nous. Pourquoi vous suivez ces règles-là et pas ces autres règles-là? Il faut comprendre pourquoi. Vous avez choisi, vous donne la réponse que vous voulez. John von Neumann tombera malade d'un cancer que l'on pense avoir été induit par les tests nucléaires auxquels il a assisté. Ses incroyables capacités mentales avaient été atteintes. I cannot think of Johnny now without remembering a very tragic circumstance. When he was dying of cancer, his brain was affected. I visited him frequently, and he was trying to do what he always tried to do. And he was trying to argue with me, as he used to. And it wasn't functioning anymore. And I think that he suffered from this loss more than I have seen any human to suffer in any other circumstance. John von Neumann décédera le 8 février 1957 dans un hôpital militaire de Washington, D.C. Sa dernière demeure était gardée par l'armée américaine et nul ne pouvait lui rendre visite sans une autorisation expresse du Pentagone. Sa mort laissa un vide considérable dans la communauté scientifique. Peu connu du grand public, personnalité contestée, les rêves mathématiques et les jouets de John von Neumann ont définitivement changé le cours de l'histoire de l'humanité vers des chemins que nous ne soupçonnons pas encore, qui nous effraient et qui nous font rêver. La sonde voyageur porte un disque,
à l'intérieur duquel se trouvent échantillonnés des témoignages de la culture humaine. Sur le couvercle, en or, est gravé un code digital accessible à une intelligence universelle. La vitesse à laquelle il faudra lire le disque. Également codée la mesure de la transition énergétique de l'atome d'hydrogène. Toute sa vie, John von Neumann sera intervenu sur le contenu du message humain, son codage et sa transmission. D'après l'historien des sciences George Dyson, John von Neumann se représentait les structures mentales par une métaphore. Dans le cerveau, les processus mentaux fondamentaux sont codés par des réseaux statistiques et hautement hiérarchisés de pulsations d'ondes. Un peu comme une partition code la musique, grâce à des intervalles plus ou moins grands entre deux notes jouées presque en même temps, ou successivement.